Il est midi et de nombreux étudiants de l'université Paul Sabatier se rendent au restaurant universitaire situé à deux pas. Depuis septembre, ils peuvent y récupérer des repas au prix de 1 euro au lieu de 3,30 euros, une mesure instaurée par le gouvernement dans le but de répondre à la crise sociale. Les étudiants peuvent même s'installer tout en respectant les gestes barrières. Ici, on a l'occasion de manger sur place et c'est vrai que comme ça, on peut rester avec nos amis un peu plus longtemps et prolonger que juste la période du cours. Pour 1 euro, franchement, je trouve ça très bien ce qu'on a, les quantités, puis la qualité du service. Bon, ils sont toujours hyper sympas. Oui, j'ai des sandwichs lyonnais, des yaourts, des poulets colombo avec du riz. 2 mètres entre chaque table, désinfection des surfaces, la structure a dû revoir son organisation. Malgré cela, les employés se réjouissent de pouvoir accueillir les étudiants. Ah oui, pour les étudiants, oui, c'est une bonne chose. Ils sont contents. Les étudiants ont le choix entre des repas à base de viande ou végétariens. L'établissement assure proposer des produits de qualité. D'avoir le sourire de l'étudiant, c'est important d'avoir des bons retours aussi au niveau de ce que l'étudiant déjeune à midi. Depuis le 25 janvier, le panier à 1 euro a été étendu à l'ensemble des étudiants, boursiers ou non, renforçant la popularité de cette offre. Une augmentation qui a doublé en termes de passage auprès donc de nos étudiants. De nouveaux étudiants qu'on ne voyait pas forcément auparavant ont pris la mesure de cette mise en place et donc viennent déjeuner dorénavant sur nos structures. De nouveaux bénéficiaires que le Crous espère voir revenir, même après la crise sanitaire.